Ça fait une couple de fois que je regarde les nouvelles. Là. Puis ce qui m'énerve, c'est les nouvelles de Vancouver, Winnipeg, Calgary. Ça intéresse personne, ce calice. Un feu à Thunder Bay ou un accident de char à Moose Jaw, tout le monde s'en crisse. On sent tabarnak qui neige à Terre-Neuve ou qui tombe de la marde en Colombie-Britannique. Le monde veut savoir ce qui se passe ici. Bien d'accord avec vous, M. Bob, il n'y a rien de très excitant là-dedans, mais il faut quand même donner aux Québécois l'impression qu'ils sont chez eux partout au Canada. C'était la stratégie de M. Trudeau, hein? Perpétuée par M. Chrétien. Je comprends, mais ça coûte une fortune, puis c'est plate. Vous avez parfaitement raison, M. Bob. Seulement, si je peux me permettre, on est à Radio-Canada pour faire de la formation, pas de l'information. Comment tu dis ça? Mais oui. Notre mandat, c'est pas d'informer le public, mais bien de le former. D'où, par exemple, la météo d'un océan à l'autre. La température en elle-même n'a aucune importance. C'est le cadre où ça se passe qu'il y en a. Parce que ce qui compte, hein, c'est de vendre le Canada. Sans que ça paraisse. Sans que ça paraisse.